t'es prêt? Oui, chef. T'as vu, c'est haut quand même, hein. Mais pourquoi vous me regardez tous avec cet air étonné? Je sais que nous, on est bas. C'est bon, tu as pas commencé à te la péter. Avec ton vieux grain de beauté. Je vois pas le rapport avec mon grain de beauté. T'as vu ta tête, toi, t'as habillé avec des feuilles, t'as une fleur dans les cheveux, et t'as vu ton équipe de clochards, là? Avec toute notre équipe, on va vous ratatiner! Quand même, t'es une petite pieuvre, hein. Ouais, je sais. Wesh, t'as vu comme t'es sapé, cousin? Super rapide, quel est ce pouvoir? Bon, je pense que je peux te laisser partir. T'es un méchant, t'es censé faire peur. Comment il t'a clashé là? Je te reconnais plus. T'es en train de te faire déshonorer, sérieux, tu me fais pis ta gueule. Bon, je peux pas me laisser faire clasher pour toi, mais en fait j'en ai un peu rien à foutre de toi, donc je vais te laisser. C'est un Sharingan? Non, en fait j'ai voulu t'impressionner, mais apparemment ça a pas marché. Hé les gars, c'est même pas un Sharingan! Je crois que le secret pour ses cheveux, c'est la mozzarella. Elle a raison. Ha 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 ha, comme si vous me faites peur. Maintenant, je vais te laisser. Au revoir, mon petit. Ça s'est bien passé? Pas trop, à la fin, il m'a foutu un vent. Mais bon, je suis un peu en colère. On va déclencher une guerre. On la fera, jusqu'au bout. Tous les membres de notre équipage seront présents. Même le petit poulpe. On fera une guerre. On détruira leur vaisseau et on sera vainqueur. Moi, pour une baston, je suis toujours prêt. Et t'as vu, c'était dégueulasse à la cantine aujourd'hui. Ouais, c'est pas ce qu'il nous a préparé, chef. Bah, c'est de la nourriture pas de bonne qualité, hein. Ouais. Attention. Ces gardes mijotent quelque chose. Nous devrons les surveiller de plus près. Je vais les rétrograder. Moi, je propose de les envoyer aux cuisiniers à la cantine. Et toi, qu'est-ce que tu proposerais? Moi, je propose qu'ils travaillent dans les toilettes de la cuisine. C'est tout ce qu'ils méritent pour complotisme. Ah. Ok, je m'en occupe. Faites-nous remonter à la surface, tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Chef, il y a une baleine, qu'est-ce qu'on fait? Oh, rien, laisse tomber.